J'ai spoil la scène. Bonsoir à tous. Coucou. Coucou. Hello tout le monde. Bienvenue sur ce nouveau live. J'espère que vous allez bien. Hey. Re à ceux qui étaient là ce matin. Je suis en compagnie de Manounette. Coucou. Elle nous fait l'honneur de sa présence.
Oui. Je pense que c'est autre chose. Ah, c'est pour faire genre. Oh, c'est grave stylé. Ça, c'est les notes en fait qu'on pourra mettre dedans. Regardez en français. Voilà. C'est trop stylé. Et donc, on peut détacher cette. Fondateur de Lego, Ole Kirk Christiansen, est né en 1891, quelques années seulement après l'invention de la machine à écrire et du téléphone. Ces deux inventions ont révolutionné la communication et joué un rôle déterminant dans l'essor des entreprises modernes dans le monde entier. La première machine à écrire d'Ole trônait sur son bureau quand il a fondé l'entreprise. Fred a tapé lui-même la demande de brevet pour les briques Lego System qui compose ce kit sur une machine à écrire qui ressemblait beaucoup à celle-là. Ces documents sont aujourd'hui exposés dans la collection historique de Lego House. La technologie a beaucoup évolué depuis. Cependant, voir ces machines à écrire traditionnelles ou entendre leurs cliquetis évoque toujours en moi le souvenir de mes visites dans les bureaux. Après toutes ces années, il y a bien une chose qui n'a pas changé. Nous avons toujours pour objectif d'inspirer et de faire émerger les constructeurs de demain. Et je suis toujours impressionnée de voir comment les fans et les designers de Lego Ideas expriment leur talent créatif à l'aide de briques Lego. N'ayez de cesse de reconstruire le monde, toujours. C'est
Eh bien.
Thank you.
Thank you.
nous manque.
Ensuite, on prend ça et on met ça dessus.
impression.